que de guide, ah não, se me de dona equipe do mundo, recuperar dans des combats, des choses comme ça, c'est le Hadj Malik a tout fait pour décentraliser les mouhadams, pour propager l'islam et pour propager l'antidjani, l'antidjani et à tour du champ du chef Badé. Donc c'est pour ça que le Hadj Malik a fait beaucoup d'efforts pour ça. Pour cela, et franchement, il a réussi parce que partout là où tu vas, qui entend des mouhadams de ce Hadj Malik, qui entend des disques du Sénégal, du Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Même on a cité, il y a 200, presque 200 mouhadams que le Hadj Malik a formé et a laissé propager le tariqa tidjaniya, mais en même temps, c'était un homme humble. Le Hadj Malik n'a jamais voulu montrer qui il est. À chaque fois, il dit qu'il faut suivre le prophète, qu'il faut apprendre cela. Une fois à Ndiarde, il a demandé à ses disciples d'aller faire des prières. Certains disaient que non, on attend pour terminer là où on était commencé, pour les murs qu'il faisait. C'est le Hadj Malik a ordonné de tout laisser. Ce jour-là, même, on a dit que c'est le Hadj Malik a insulté les mouhadams en les disant cela. Si vous retardez la prière à cause de moi, c'est comme vous soumissionnez à un statut. Et il a fait un verset en arabe, Donc, le Seigneur Hadj Malik a toujours incarné et comment développer et comment propager ce que le prophète Mohammed qui a célébré la grande mission au Sénégal après le Fano. Cheikh Omar Fouthiou a écrit un ouvrage qui s'appelle La Souffle de Sahara. Mais l'ampleur du Gam, c'est le Seigneur Hadj Malik. Donc, il a toujours, c'est pourquoi le Khalif a appelé les fidèles de venir ici à Tiaoul. Le Seigneur Hadj Malik a fait une annonce. Il faut améliorer comment développer, comment connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais à une seule condition, que vous ne faites rien qui est déplorable. Donc c'est l'objectif. On dirait que c'est chercher ce trouver une fois à s'assurer. Il a entendu deux hommes discuter, un homme et une femme. Donc, j'étais vu là-bas dans le Gabon. L'année prochaine, il va aussi à Tiaoul. Parce que c'est Dieu qui a organisé ça la première fois. C'est Dieu qui a dit « Inallahu malahik musallun alayhi ». Donc, Dieu et ses anges, donc, ils prient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. « Ya ayyuhalladhina amanu sallu ». Donc, il a donné un ordre. Tout le monde prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est Hadj Malik a dit que c'est le prophète, c'est le porte de la. Si vous voulez aller à Allah, il faut passer à la porte. Donc, a dit que c'est toi le porte de la. Si quelqu'un vient si quelqu'un veut arriver, bien voir à Allah, bien faire des. Je sais pas, sans le prophète, il ne pourra pas arriver. Donc, ensemble, pour mieux expliquer que c'est.